Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme, bien calé, regardez cette nouvelle vidéo, une vidéo donc de médecine où je vais vous parler d'un organe en question qui fait partie de notre tube digestif, à savoir l'estomac, un organe qui est communément très connu. Je vais donc vous parler de cet organe uniquement dans cette vidéo. Je vais vous en parler donc de son fonctionnement, de ce qui se situe, et aussi de ses maladies. Bref, une vidéo d'environ 10 minutes qui ne concernera que cet organe, pour ceux qui s'en intéresseraient donc, vous en saurez un peu plus d'informations, de détails et aussi de quelques petits records propres à cet organe. Bonne vidéo à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien apprécier et surtout n'hésitez pas à la commenter. Bon visionnage. Alors, bienvenue tout d'abord dans cette vidéo. Il y aura deux petites parenthèses qui sont très brèves. Premièrement, c'est parce que comme j'ai ouvert la fenêtre, il est préférable que vous mettiez un peu de son. Parce que comme j'ai ouvert justement la fenêtre, je vais parler un petit peu fort. Voilà, donc c'est justifié de ce côté-là. Afin que vous m'entendiez mieux, mettez un peu de son. Au lieu de me regarder pendant toute la vidéo, parce que ça risque de vous ennuyer, de me regarder sur un seul plan tout seul de la vidéo, ça peut vous paraître un peu monotone. Faites autre chose. Tout en m'écoutant, par exemple, rangez votre bureau, par exemple, et vous m'écoutez. Mais surtout, écoutez-moi, parce que c'est très important, comme ça fait quand même 10 fois que je recommence cette vidéo, je la fais beaucoup avec du cœur, du plaisir à la faire, puisqu'il faut savoir que l'estomac, c'est l'organe que je connais le mieux du corps humain. Et puis, deuxième chose importante à savoir, c'est que comme, je vous l'ai rappelé dans le début de la vidéo, je ne suis qu'un amateur, je n'ai rien à voir dans la branche de médecine, hein. Je suis un passionné qui en sait suffisamment pour pouvoir faire une vidéo assez longtemps, donc s'il y aura peut-être quelques petites erreurs, elles seront minces, je l'espère, donc je m'en excuse à l'avance. Ce serait bien que vous dites aussi en commentaire, vous avez fait telle erreur sur tel sujet, lorsque vous avez parlé de ça, de ci. Voilà, vous avez compris un peu le genre, voilà. Et puis j'espère aussi que les commentaires seront nombreux, et avec de bons retours, je l'espère, afin que ça m'encourage à faire d'autres vidéos de médecine. Pourquoi pas d'autres organes. D'ailleurs, j'en ferai quand même d'autres organes. Donc voilà, voilà. On va passer directement donc au chapitre que je vais vous parler. Il y en aura 6, bien distinctes. Donc, premièrement, comment est l'estomac? Deuxièmement, où il se situe? Troisièmement, ses fonctions multiples, hein, quelles sont? Quatrièmement, les symptômes que l'on peut avoir concernant l'estomac. Cinquièmement, les voies d'exploration de l'estomac. Comment on l'explore pour confirmer ou non un diagnostic, comme une maladie ou pas. Et puis, dernièrement, les maladies qu'il peut y avoir, ainsi que les pathologies non plus ou moins graves, en quelque sorte. Voilà, voilà. Premièrement, on va passer avec la partie numéro 1 de cette vidéo, à savoir comment est l'estomac. Voilà, vous le voyez directement. Il est là, l'estomac. Hein. C'est une maquette que j'ai, une petite figurine. J'avais tout d'ailleurs du corps humain, mais malheureusement, j'ai perdu quelques petites pièces. C'est quand même dommage. Donc, l'estomac, vous le voyez, il est composé de plusieurs parties bien distinctes. Vous avez le cardia qui fait la jonction avec l'œsophage. C'est là où les aliments entrent dans l'estomac. Ensuite, vous avez le phallus, la partie haute de l'estomac supérieur, le corps et l'antre de l'estomac, l'antre et la partie inférieure. Et puis ensuite, vous avez le pylore, qui est donc la jonction avec l'estomac, et le début de l'intestin grêle, qui est donc en bas, à savoir le duodénum. Donc voilà, l'estomac est un organe assez riche en vascularisation. Hein. C'est vrai qu'il reçoit du sang en abondance également, comme tous les autres organes. Un autre organe très vascularisé mais très fragile, c'est un organe lymphoïde appelé la rate, qui ne doit pas être très connu. Hein. La rate qui peut être facilement, grossir lorsque vous avez une grosse rate. Bon, c'est parce que vous avez une infection, tout ça, c'est jamais normal d'avoir une grosse rate. Hein. Vous pouvez la palper facilement. Et puis, vous pouvez aussi avoir une rupture de la rate. D'ailleurs, quand vous regardez les informations à la télévision, lors d'un accident, vous allez entendre souvent il a eu une rupture de la rate. Par exemple, lorsque vous allez conduire un scooter, par exemple, vous allez avoir un accident, la rate peut être facilement en rupture. Et puis derrière, l'estomac qui est bien caché, lui, hein, un organe aussi rare que aussi peu connu que la rate, bon, un petit peu moins, c'est le pancréas, qui fait donc 15 à 23 cm de diamètre, de long. Le pancréas a plusieurs parties comme l'estomac, donc à savoir la tête du pancréas qui est reliée avec le duodénum, l'intestin grêle, donc, et vous avez ensuite le col et le corps du pancréas, ainsi que la queue qui est reliée avec la rate. Bon, et puis après, vous avez l'intestin grêle, un long tube qui fait 6 mètres, la partie la plus longue du corps. D'ailleurs, quand on meurt, à ce qui paraît, eh bien, l'intestin grêle fait plus. Il fait le double. Il double de volume ou de longueur, il me semble. Donc, vous imaginez.
Mais il ne fait que 3 cm de large. Enfin, il est très étroit, l'intestin grêle. Hein. C'est ça qui est assez surprenant. Ici, ben, vous allez le voir, et, ben, comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le constater pour certains puristes, il n'y a pas le gros intestin ni le foie. Et vous avez ici l'œsophage qui relie donc, ben, qui fait donc, qui relie l'estomac, enfin, qui relie la bouche à l'estomac. Un long tube qui fait 25 cm à peu près. Mais qui ne fait que 2,5 cm de largeur, donc c'est la partie la plus étroite de notre tube digestif. Alors, et puis après, vous avez aussi également la trachée artère qui passe devant l'œsophage, qui sert pour la respiration, amener l'air aux poumons, aux bronches. Et en jaune, la glande thyroïde, glande hormonale très connue pour ses fonctions déjà d'origine cardiaque, d'origine digestive, etc. Deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer où se situe l'estomac. Donc, il est ici, hein, à peu près, hein, toujours au côté gauche, au milieu de l'abdomen, mais il est côté supérieur de l'abdomen quand même. Hein. Donc, gauche, il est en partie protégé par les dernières côtes, bon, par la cage thoracique, mais pas beaucoup. Sinon, il est là. Vous pouvez plutôt le sentir lorsque vous avez mangé à la suite d'un repas assez lourd, plus ou moins. Bah, vous pouvez le sentir, hein, facilement. Vous avez ensuite la rate qui est là, toujours à gauche, qui est cachée sous les dernières côtes gauches, donc on ne peut pas la sentir. Et comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, si vous pouvez la sentir, c'est parce qu'il y a une pathologie. Derrière l'estomac, le pancréas qui est bien caché, le foie qui est ici, en partie caché sous la cage thoracique côté droit, bah, le cœur qui est en haut avec les poumons, l'œsophage qui passe derrière le cœur, voilà. Le diaphragme qui sépare le thorax de l'abdomen, et puis ben, vous avez l'intestin grêle qui donc en liaison avec l'estomac, puisqu'ils sont tous les deux en jonction par le pylore et le duodénum. Voilà. Vous avez, je vais vous parler du temps de digestion pour chaque organe de la digestion, surtout l'estomac. Donc dans la bouche, vous allez mâcher un aliment à peu près 15 à 30 secondes, à peu près, je dis bien, et en même pas les 2 secondes, les liquides sont déjà avalés passent déjà dans l'œsophage, tandis que les solides, à peu près 5 secondes. À peu près, je dis bien, ça peut durer un peu plus longtemps, le temps qu'ils vont dans l'estomac. Dans l'estomac, c'est différent, puisqu'ils vont durer à peu près, le repas va durer à peu près 4 heures, donc c'est assez long quand même. Il est vrai que les liquides, même bu en dernier, passent avant. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous mangez un repas et que vous buvez après, ben, les liquides passeront quand même avant le repas. Vous avez compris? Les liquides restent à peu près 30 minutes, il me semble, hein. Enfin, il me semble, hein. Ça je peux pas vraiment vous dire avec exactitude, mais voilà. À savoir, une petite expérience assez sympathique, c'est que quand, avec un stéthoscope, si vous en avez un, faites l'expérience, bah, voilà, vous mettez à peu près ici, là on peut ressortir l'estomac où je vous l'ai montré précédemment, et lorsque vous avalez un liquide, ou même tout simplement votre salive, quelques secondes après, eh bien très vite, vous allez entendre un petit bruit, qui en fait c'est parce que c'est le liquide qui pénètre dans l'estomac, qui rentre. Et vous allez toujours entendre un petit bruit. C'est ça qui me fascine de ce côté-là. Mais bon, après, voilà. Hein. C'est une expérience assez fascinante. Après, dans l'intestin grêle, qui est composé de 3 parties, donc le duodénum, le jéjunum et l'iléon, la partie la plus longue du corps humain. Bon, les aliments ils durent 4 heures, c'est là où le lieu d'absorption, hein, il faut savoir que c'est dans l'intestin grêle que tout s'absorbe la plupart du temps. Puis ensuite, eh bien, ça passe dans le gros intestin, tout ce qui n'a pas été digéré par l'intestin grêle, par le corps donc. Hein. Dans le gros intestin, ça sert surtout pour absorber l'eau qui reste hein, donc, directement dans le sang par les parois du gros intestin. Sa première partie, c'est le cécum, une sorte de poche qui fait jonction avec l'intestin grêle et ce dernier et le gros intestin. Ensuite, eh bien, il y a là aussi la palisse, qui est ici, dans le bas, fosse-iliaque droite. La fosse-iliaque droite remonte, va jusque sous le foie, va ici, c'est, on va dire, le côlon transverse, il me semble. Il passe devant ou sous l'estomac, il me semble, enfin devant, je crois, et la rate. Il redescend par la fosse-iliaque gauche, va dans le côlon sigmoïde à l'arrière, et ensuite atteint le rectum, une sorte de réservoir qui retient les selles, afin qu'il soit plus vite évacué, enfin, afin que les selles soient évacuées par l'anus, ensuite, parfois anal, donc. Voilà pour les explications en gros. Il faut savoir que la fosse iliaque droite est plus large que la fosse iliaque gauche. Et que les occlusions intestinales existent aussi dans le gros intestin, tout comme dans l'intestin grêle. Donc, mais ils sont plus d'origine grêlique que colique. C'est-à-dire qu'en fait, l'intestin grêle est
Voilà, c'est un lieu où les occlusions intestinales se repèrent le plus, puisqu'il est beaucoup plus, en termes de largeur, beaucoup plus restreint, plus étroit. Le gros intestin, lui, il a largement le temps, enfin, il faudra même le faire pour qu'il y ait une occlusion intestinale au niveau de l'homme, même si ça existe, comme par exemple à la suite d'un cancer qui a longtemps évolué et on va dire, qui envahit complètement une partie de. Qui bouge complètement le gros intestin, une partie, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que quand on. C'est rare qu'on voit ça à l'hôpital, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Assez rare. C'est quand même assez fréquent, mais voilà. Et aussi, une dernière chose à savoir sur l'estomac, j'ai parlé un peu de l'absorption. Il faut savoir que ça se passe au niveau de l'intestin grêle. Le gros intestin, lui, absorbe tout ce qui est eau. Et l'estomac n'est pas vraiment un lieu d'absorption pour les aliments. Je ne pense pas qu'il l'absorbe. Non, non, non. Par contre, il peut absorber certaines choses, comme certains médicaments et aussi l'alcool. Une grande partie de l'alcool passe directement dans le sang par l'estomac, sa paroi. Donc, c'est pour cela que ça justifie les effets de l'alcool qui sont rapides après d'avoir bu. Je veux dire qu'après, même pas un quart d'heure, vous ressentez parfois les effets de l'alcool. Il faut savoir aussi qu'un verre d'alcool, à peu près, il faut que le foie le traite en 1 heure et demie. Donc, vous buvez 5 à 6 verres par jour d'affilée, on va dire. Vous calculez un peu, faites un peu de mathématiques et imaginez le travail que le foie a à faire. Donc, voilà. Troisième point maintenant, on va passer au chapitre très intéressant des fonctions de l'estomac. Donc, je vous l'ai dit au début qu'il y en avait des multiples. Il en a trois surtout essentiellement. Il peut en avoir plusieurs, mais surtout trois très importantes. C'est premièrement une fonction de réservoir, comme la plupart des gens diraient dans le langage familier, où l'estomac c'est plutôt un réservoir, un sac. Il faut savoir que l'estomac est aussi appelé poche stomacale. Oui, il retient un peu les aliments, quelques ordres, parce qu'au début, quand l'aliment y rentre, eh bien, il reste comme ça. Bon, après, il progresse tout au long de l'estomac, petit à petit, hein, où ils seront broyés, tout ça. Bon, après, c'est une étape suivante. Parce que cette fonction de réservoir est justifiée et importante, par exemple, quand vous n'avez plus d'estomac. Une gastrectomie, qu'elle soit partielle ou totale, c'est-à-dire qu'on vous retire tout l'estomac ou pas. Lorsqu'on vous retire par exemple tout l'estomac, vous n'avez plus ce réservoir en quelque sorte. Donc l'œsophage est relié avec le duodénum, première partie de l'intestin grêle. Et dans cet intestin, donc l'arrivée par exemple de sucre est brutale, donc ça va passer directement dans le sang beaucoup plus rapidement, et le pancréas, lui, doit vite réagir à cette montée de taux de sucre. Et ça explique pourquoi le taux de sucre, on va dire, s'envole lorsque vous n'avez plus l'estomac. Donc c'est quand même important d'avoir cette fonction de réservoir. L'estomac est quand même important, même si je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais l'estomac n'est pas un organe vital. On peut donc s'en passer. Mais c'est quand même une intervention qui est lourde. Parce qu'en général, on peut aussi vous retirer la rate, par exemple. On y viendra plus tard au niveau de ça. Deuxième fonction, très importante aussi, c'est une fonction de protection, pour l'intestin surtout. Une fonction ou avec l'acide, parce que vous savez très bien que l'estomac sécrète un acide très puissant, l'acide chlorhydrique et la pepsine, qui vont la plupart du temps dans les aliments détruire les bactéries, parce que les bactéries se trouvent dans chaque aliment que nous mangeons, et l'acide de l'estomac les détruit en grande partie, et donc l'intestin, on va dire qu'il est, il n'en a pas beaucoup, on va dire, il est tranquille au niveau de cela. Donc c'est très important aussi cette fonction-là, et on repère aussi chez les personnes âgées, notamment. Qu'avec le temps, plus on vieillit, eh bien plus on perd de l'acidité gastrique. Donc il y a plus d'anomalies de douleurs abdominales au niveau des intestins surtout. Donc c'est important aussi d'avoir cette fonction-là. Et puis la troisième fonction très importante, hein, c'est il réduit les aliments en des plus petites quantités pour que l'intestin grêle. Pour qu'ils y pénètrent dans l'intestin grêle, à part qu'ils soient mieux absorbés. Parce que l'estomac, il a des parois musculaires puissantes. Donc l'aliment, il progresse au fur et à mesure. Il est malaxé, broyé, mélangé avec les sucs gastriques. Donc l'acide chlorhydrique, la pepsine, tout ça sont mélangés avec l'aliment. Et au fur et à mesure, ça va former une sorte de bouillie pâteuse qu'on appelle le chyme, qui est encore acide à ce moment-là, et qui passe petit à petit dans le duodénum, oui, par le pylore. La partie de l'estomac. Donc petit à petit, le pylore va s'ouvrir et va laisser entrer les aliments en très petite quantité. D'ailleurs, au moment que le chyme acide passe dans le duodénum, le pancréas va réagir avec la vésicule biliaire. Le pancréas, lui, va
va mettre ses... Alors, comment vous dire? J'ai pas vraiment le terme, excusez-moi. Il va y avoir les sucs pancréatiques qui vont pénétrer dans le duodénum et la vésicule biliaire va déverser, voilà, déverser, c'est le terme, la bile. Et tous deux vont se combiner et vont se combiner pour neutraliser l'acide du chyme et en même temps, ils vont créer des sels minéraux assimilables pour le corps qui vont passer directement dans le sang par la paroi duodénale, donc du duodénum. Voilà, donc ce n'est pas négligeable. Hein. Donc les fonctions à retenir sont très importantes, hein, finalement, c'est que l'estomac a une fonction de réservoir pour les aliments, oui, ça c'est vrai. Bon, après, c'est surtout une fonction de protection pour l'intestin, donc éviter que les bactéries y pénètrent, parce que la plupart du temps, les bactéries sont détruites par l'acide. Et puis, troisième fonction importante, il réduit les aliments en des quantités beaucoup, beaucoup plus petites pour qu'elles passent mieux dans l'intestin grêle et qu'elles soient mieux absorbées. Voilà pour les fonctions de l'estomac. Petit détail important, c'est que le pancréas et le foie, par exemple, ne sont que des glandes annexes de la digestion. Ils n'ont rien à voir, enfin, ils ne sont pas à proprement parler dans le tube digestif. Contrairement à l'estomac, l'intestin grêle, tout ça, non. Ce sont des glandes annexes qui ont d'autres fonctions. Hein. Le pancréas, par exemple, a beaucoup de fonctions. Enfin, il y a une fonction à la fois endocrine et exocrine. Endocrine, c'est une fonction hormonale comme l'insuline, que vous connaissez très bien, et le glucagon. Et puis une fonction exocrine cette fois pour la digestion des graisses et pour neutraliser l'acidité du chyme acide que je vous ai dit il n'y a pas longtemps dans le duodénum. Et le foie lui a plein de fonctions très importantes aussi également. C'est une vraie usine le foie, hein, ça c'est sûr. Et le pancréas, le foie sont tous deux vitaux, contrairement à l'estomac. Voilà. On va passer au quatrième chapitre maintenant. Alors j'avais dit c'était les symptômes. Donc les symptômes sont assez divers, hein. Tous les symptômes d'estomac sont d'origine donc épigastrique, dans l'épigastre, hein, qui est donc une zone assez vaste, puisque parfois vous allez avoir mal par exemple à la vésicule biliaire ou au pancréas, ça va vous faire penser quand même à l'estomac. Voilà, parce que ce sont des organes proches de ce dernier. Mais sinon, vraiment, ceux qui sont d'origine gastrique sont essentiellement bon, des brûlures d'estomac, des crampes d'estomac qui sont très connues. Des nausées qui sont à la suite, par exemple, d'un repas qui tourne pas, vous avez mangé trop vite, vous avez mélangé trop de choses, d'aliments, tout ça, donc ça arrive que l'estomac tourne un peu, ça vous reste sur le cœur en quelque sorte, hein, une expression familière. Voilà. Après, les nausées ne sont pas toujours synonymes de vomissement, bien sûr, la plupart d'entre eux, oui, mais pas tous. Vous pouvez avoir les nausées sans vomir, c'est mon cas. J'en ai parfois les nausées comme tout le monde. J'ai un petit peu un état nauséabondeux, en quelque sorte, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais je ne vomis pas forcément. Sinon, après, les vomissements sont connus, c'est une réaction tout à fait normale, enfin normale, c'est une réaction naturelle de l'estomac, donc, hein, qui on va dire, il se contracte, je crois, pour faire sortir le contenu par la bouche, donc, hein. Ça veut dire que c'est une intoxication alimentaire. La plupart du temps, l'estomac n'a pas toléré un aliment, donc il se fait comprendre en quelque sorte et le ressort, tout comme une diarrhée en fait. Hein. Même si je trouve que les diarrhées sont beaucoup plus fréquentes qu'un vomissement, pour ma part, en tout cas, je pense ça. Enfin, je ne sais pas si vous pensez la même chose. En termes de vomissements, ils sont pas toujours d'origine gastrique, même s'ils passent toujours par là, bien sûr, c'est normal, mais ils ne sont pas vraiment toujours à l'origine de là. Ils peuvent être d'origine biliaire. Par exemple, donc ça s'appelle les vomissements biliaires. Par exemple, c'est la vésicule biliaire en fait, hein, la bile remonte dans l'estomac et ressort par la bouche. Vous allez voir un vomissement qui est plutôt de couleur jaunâtre. Ça va vous faire penser à une crise de foie. La plupart du temps, c'est typique en France cette expression. Vous allez dire, ah, il a fait une crise de foie. Mais en général, c'est une le foie n'est pas concerné. C'est une fausse expression puisque la crise de foie n'existe pas. C'est un petit détail à savoir. Je ne sais pas si vous saviez, mais en tout cas, si vous ne saviez pas, ben voilà. J'espère que ça vous aura un peu surpris. La crise de foie n'existe pas. Tout comme l'expression j'ai mal au rein. Elle existe, attention, mais la plupart des temps, les gens vont dire ah j'ai mal au rein, ils vont se toucher derrière le bas du dos. Mais carrément le bas du dos en général. Mais non, il faut savoir que les reins sont beaucoup plus hauts qu'on ne le pense. Ils sont au niveau des dernières côtes, voilà, à peu près là. Donc ils sont quand même assez hauts par rapport à ce que les gens ont tendance à se dire de l'expression j'ai mal au rein. Bon, on n'est pas là-dessus. Donc je vous ai parlé des vomissements gastriques. Des vomissements biliaires, il y a aussi des vomissements fécaloïdes, qui sont des vomissements alarmants, puisque ça veut dire qu'il y a une occlusion intestinale. Ça veut dire que le contenu, qu'il soit d'origine grêlique, donc hein, c'est l'occlusion, ou colique, la plupart des temps c'est d'origine grêlique, donc de l'intestin grêle, comme il est le plus étroit, il y a une occlusion intestinale qui est une partie de l'intestin grêle qui est bouchée.
Et donc le contenu qui est à l'intérieur remonte dans l'estomac et recraché par la bouche. Et ça, c'est un symptôme très grave, puisque ça veut dire qu'il y a une occlusion intestinale. Et après, vous pouvez aussi avoir des vomissements avec du sang mélangé à l'intérieur, c'est rare, mais c'est possible, hein. Ça a même un nom, des hématémèses. Hématémèse, voilà, c'est vraiment le terme exact, hein, il me semble, parce qu'avant je disais hématérèse, mais non, c'est hématémèse. Donc c'est du sang dans le vomissement qui est d'origine gastrique, la plupart du temps, ça peut être soit bénin, hein, une irritation, la paroi gastrique, ça peut être aussi un cancer de l'estomac par exemple, un signe. Même si c'est pas vraiment fréquent, je crois pas que un vomissement sanglant veuille dire est fréquent lors d'un cancer de l'estomac. Tout dépend aussi où la tumeur se situe, de sa taille, du temps qu'elle est là, hein, tout ça. Sinon, après, bah, dans le sang, quand vous crachez du sang, c'est pas toujours d'origine de l'estomac, ça peut être aussi des poumons. Après, le crash, attention, hein, ça c'est, il faut faire attention, ça peut être aussi des irritations de la gorge. Donc maintenant les symptômes, la plupart je vous en ai dit, on va passer à autre chose puisque j'en ai essentiellement parlé. Cinquième point de cette vidéo, les voies d'exploration de l'estomac. Comment on l'explore pour confirmer ou non tel diagnostic? Par exemple, est-ce que j'ai un ulcère? Ben, vous allez la plupart du temps passer une endoscopie digestive haute. C'est-à-dire que c'est tout le système digestif haut. De l'œsophage, l'estomac, la première partie de l'intestin grêle, ça fait partie. Du système digestif haut, de la partie haute du système digestif. Voilà. Bon, après, on peut aussi appeler ça gastroscopie, c'est typique pour explorer l'estomac. Après, on disait aussi fibroscopie, maintenant, mais le terme n'est plus vraiment approprié, il me semble, donc c'est mieux de dire l'endoscopie digestive ou gastroscopie. Hein. C'est pour voir s'il n'y a pas. Bon, avant de vous dire qu'est-ce que c'est pour voir quoi. C'est un examen très connu que je pense que vous connaissez la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo. C'est un examen qu'on passe dans l'arrière-gorge, hein, donc avancé dans la bouche, qui va dans l'arrière-gorge, l'œsophage, et descend dans l'estomac. Il y a une caméra à la fin, une toute petite caméra, qui va donc regarder s'il n'y a pas une lésion précancéreuse, un ulcère, confirmer s'il n'y a pas un cancer, une tumeur, qu'elle soit bénigne ou non, parce qu'on peut aussi avoir des polypes, ce sont des excroissances bénignes, qui sont au départ bénignes, mais qui forment un cancer plus tard, 5 ans après. Parce que, attention, le mot tumeur ne signifie pas un cancer forcément. Ça peut dire, ça peut être une tumeur bénigne ou maligne. Une tumeur maligne est synonyme d'un cancer toujours, mais une tumeur bénigne ne l'est pas, puisque la plupart des tumeurs bénignes ne métastasent pas, ne sont pas envahissantes. Mais dans le cas d'un polype, surtout d'origine intestinale comme les polypes du gros intestin qu'on regarde. Par coloscopie, hein. En général, on les repère, on peut même les enlever par voie endoscopique. Hein. Les polypes sont toujours au départ bénins, mais les cancers du colorectal, par exemple, commencent la plupart des temps par ce polype, et puis ils génèrent un cancer 5 à 10 ans plus tard. Donc il faut toujours l'enlever. À savoir qu'un polype peut saigner, mais peut encore être bénin à ce moment-là. Si les polypes sont vraiment petits, on les enlève par voie endoscopique. Et si c'est un peu trop volumineux, on peut l'enlever. Mais bon, c'est pas très fréquent de parler d'un polype dans l'estomac, mais je sais que ça existe. Donc voilà, on confirme s'il n'y a pas telle ou telle chose, comme un ulcère aussi, que j'ai pas dit. Voilà, à savoir que pour cette endoscopie digestive, on est sous anesthésie locale. On n'est pas endormi totalement, hein, c'est juste une partie. C'est la gorge qu'on a endormi surtout. Voilà. Et puis après, bon, d'autres examens, il y en a. Hein. C'est, bon, on va dire, la radiographie abdominale. C'est pour voir au niveau de l'estomac. On vous fait avaler un liquide qui contraste un petit peu pour voir mieux l'estomac, tout ça. Mais sinon, voilà. À savoir que l'échographie abdominale est très peu utilisée pour l'estomac. D'ailleurs, ça m'étonne un peu, mais bon, il y a aussi des gaz qui sont présents dans l'abdomen. C'est peut-être flou, je ne sais pas. Bref, bon, voilà. Après, on peut aussi, mais c'est plutôt indirect et pas vraiment fréquent. On peut aussi mesurer l'acidité gastrique dans l'estomac. Donc, on vous fait passer, je sais qu'on vous fait passer une sorte de caméra, encore une fois, mais dans le nez, cette fois, qui va dans l'arrière-gorge, pour mesurer le taux d'acide dans l'estomac. Bon, bref, voilà. À savoir que, petit détail que je n'ai pas dit, j'aurais dû même dû dire avant, le pH de l'estomac est toujours acide. La nuit, il est de 1,5. Tandis qu'en début de digestion, il est de 5. Voilà.
J'en ai fini pour les niveaux d'exploration de l'estomac, j'ai pas d'autre chose à dire, et maintenant on va passer au dernier chapitre, à savoir les maladies qui le concernent, avant cela les pathologies. Parce que, on va parler du reflux gastro-œsophagien par exemple, là, qui n'est pas une maladie en soi, attention, hein, mais c'est un symptôme, c'est plutôt une pathologie qui est plus ou moins grave, d'origine plus souvent bénigne, mais qui peut être maligne, mais ça on y verra plus tard. Donc, lorsque vous avez un reflux gastro-œsophagien, déjà, il faut s'interroger sur la période de... Alors, comment vous dire? Il faut s'interroger à partir du moment où vous en avez plusieurs fois par semaine, déjà, et plusieurs fois par mois. Si vous avez trop longtemps un reflux gastro-œsophagien, eh bien, vous devez consulter un médecin qui, lui, vous fera certainement passer une endoscopie pour voir si l'irritation de la muqueuse œsophagienne, voir si elle n'est pas irritée ni enflammée, parce que à terme, ça peut faire des œsophagites. Ça veut dire une inflammation de l'œsophage, du bas œsophage, et plus tard, ça peut carrément dégénérer en cancer du bas œsophage, on dit. Pour vous rappeler un petit peu comment c'est le reflux gastro-œsophagien, en fait, c'est une partie acide du contenu de l'estomac qui remonte dans l'œsophage, par le cardia, qui se ferme mal. Donc, en fait, quand vous mangez, que le cardia va s'ouvrir un petit peu pour passer. Enfin, il va s'ouvrir, quoi. Pour, voilà, que l'aliment y entre et se refait normalement, quand il n'y a plus le passage des aliments. Mais parfois, lorsque l'estomac commence, pour moi, à travailler tout ça, à broyer les aliments, le cardia va pouvoir s'ouvrir un petit peu. Et donc, l'acide de l'estomac va remonter un petit peu dans l'œsophage, et donc va créer plusieurs symptômes, des brûlures œsophagiennes qui sont bénignes au départ, mais à terme peuvent causer une œsophagite et un cancer du bas œsophage. Donc voilà. À savoir que ça peut aller encore plus mal, le reflux gastro-œsophagien. On peut avoir. La bouche peut être concernée, même le nez peut être concerné, jusqu'aux cordes vocales. Parce que ça monte tellement, ça remonte tellement que cela est touché. Même les dents peuvent être concernées par le reflux gastro-œsophagien et les abîmer. Parce que l'acide de l'estomac est vraiment très puissant. Et l'œsophage, lui, n'est pas protégé par sa muqueuse de l'acide de l'estomac, qui, ce dernier, lui, est protégé, sinon il se digérait tout seul, l'estomac. Il a un mucus très protecteur, l'estomac. C'est une couche de mucus qui est vraiment très épaisse, tout ça, qui est solide, hein, pour protéger l'estomac. Ça peut aussi aller dans les poumons par la trachée, je crois. Le reflux gastro-œsophagien, parfois, ça peut vous brûler au niveau de là, donc ça peut faire des sensations désagréables dans la gorge, tout ça. Mais voilà, en général, ça ne concerne que l'œsophage, mais ça peut aller plus loin, s'étendre à d'autres organes. Donc on fait un examen pour confirmer, voir l'œsophage surtout, hein, et confirmer ce reflux gastro-œsophagien. Ah, pas confirmer, mais je veux dire voir tout ça. Et puis bon, ça se soigne, hein, gastro-œsophagien, il me semble, hein, ils font même des chirurgies, il me semble, mais pas en première intention, bien sûr. Hein, c'est vraiment rarement par première intention. Ensuite, une autre pathologie connue qui fait référence à l'estomac, c'est l'hernie hiatale. Bon, ça c'est connu, l'hernie hiatale, hein, c'est une partie de l'estomac qui remonte, la partie haute de l'estomac qui remonte derrière le diaphragme, je crois, donc dans le thorax. À ce moment-là, il est plus dans le thorax que dans l'abdomen, du coup ça fait une zone hernie avec l'œsophage, le diaphragme. Bon, voilà, c'est la plupart du temps asymptomatique, donc il n'y a pas vraiment de douleur. Parfois, il peut y en avoir des sévères, des douleurs, hein, ça dépend. La zone hernie, bon, en général, on n'opère pas, mais si ça dure, ça, je veux dire, si c'est grave, là, on opère à ce moment-là. Après, en termes de maladies, là, on va y venir. Premièrement, il y en a trois grandes de maladies gastriques, c'est surtout l'ulcère gastro-duodénal, mais ici, on va s'intéresser à l'ulcère gastrique, et aussi les ulcères peptiques. Ah, ça forme une sorte de trou dans la paroi gastrique de l'estomac. Hein. Donc, c'est ça, un ulcère, en quelque sorte, c'est un trou plus ou moins profond de la paroi gastrique. Qui est surtout favorisé en fait on a surtout un ulcère à cause d'une bactérie qui est souvent en cause, à savoir l'hélicobactère pylori, que beaucoup de gens surnomment l'hélicoptère parce que c'est plus facile à dire. Mais sinon, l'hélicobactère pylori est une bactérie qui séjourne, qui colonise l'estomac de certains humains, donc pas tous, mais beaucoup l'ont, hein, cette bactérie dans l'estomac. La plupart de la population l'ont, la moitié à peu près, ou un peu moins. D'ailleurs, un test respiratoire vous permet de... est très facile à faire, hein, en pharmacie, il me semble, à acheter, qui vous permet de voir si vous l'avez ou pas. Et quand c'est confirmé, quand c'est positif, donc, ce test, et que vous avez un ulcère, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter cette bactérie en l'éradiquant. Et donc, après, ben, la plupart des ulcères sont guéris totalement, puisqu'ils sont dus à cette bactérie, l'hélicobactère pylori, qui cause cet ulcère.
Bon, après, il peut y avoir d'autres ulcères qui sont d'origine autre que le Helicobacter pylori, hein, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple, des médicaments. Hein, qui, voilà. Puis après, il y a aussi des facteurs aggravants comme le tabac, l'alcool, surtout le stress émotionnel qui vont plutôt favoriser un ulcère. À savoir qu'un ulcère peut aussi dégénérer en cancer. Il peut surtout se perforer, créer des hémorragies digestives, hôtes. Et perforer, oui, carrément, hein, donc former un trou qui, où le contenu de l'estomac passe carrément dans l'abdomen, à savoir le péritoine. Alors, le péritoine, c'est une couche qui enveloppe tout l'abdomen, en quelque sorte, hein, et donc tout le contenu de l'estomac passe à l'intérieur, et ça va vous faire des mal de ventre atroces, enfin, ça doit faire très mal, en tout cas, dans tout le ventre, à ce moment-là. C'est une perforation, et donc, je pense, enfin, le pronostic vital est quand même engagé à ce moment-là, hein, parce que ça ne faut pas rigoler d'une perforation. Hein. Voilà. Après, bon, les ulcères peuvent récidiver également. Actuellement, les ulcères sont pratiquement il n'y en a pratiquement plus d'ulcères hein, maintenant. Et même s'il y en a, la plupart sont quasiment soignés. À savoir aussi que quand vous avez l'Helicobacter pylori, eh bien, ça ne veut pas toujours dire que vous allez avoir plus tard un ulcère ou autre chose. Hein. Vous pouvez être toujours serein dans votre vie, être sain en ayant cette bactérie. Ça dépend certains qui la développent. Voilà, on peut dire qu'un cas sur 10, il me semble, qui ont cette bactérie, le développeront une maladie, comme un ulcère, par exemple. Voilà, sinon, bon, après, les symptômes de l'ulcère sont assez typiques, des brûlures, tout ça, ça peut favoriser la prise d'aliments, ou au contraire, on peut avoir une faim douloureuse, on mange, et à ce moment-là, on est un peu soulagé sur le coup, d'autres mangent, et une heure après la digestion, eh bien, ils vont, enfin, une heure après d'avoir été digéré, eh bien, vous allez ressentir un mal au niveau de la région épigastrique. Je vais oublier de dire, là c'est pas une maladie, c'est une pathologie, c'est les varices œsophagiennes et de l'estomac, donc ça existe, hein, les varices qui sont là et qui sont surtout liées à un problème de foie à ce moment-là. Il faut faire attention quand même, la plupart ne sont pas graves en soi, hein, ces varices œsophagiennes ou de l'estomac surtout, c'est assez rare qu'on en a. Hein. Mais lorsque vous en avez, faire attention à ce que vous mangez, surtout éviter l'alcool, il me semble, parce que je pense que ça peut être très grave à ce moment-là de boire trop d'alcool alors que vous ayez des varices œsophagiennes. Une autre maladie, maintenant, on passe au retour en maladie, c'est la seconde, très connue, un peu moins connue qu'un ulcère, il me semble. Bon, c'est la gastrite. Donc, c'est une inflammation de l'estomac, qu'elle soit ponctuelle, partielle donc, ou chronique. Donc, vous pouvez avoir une inflammation de l'estomac un peu ou toujours. Il faut savoir que tous les mots qui se finissent par « it » sont la plupart du temps, enfin, ils désignent une inflammation d'un organe. Une pancréatite, ça va désigner une inflammation du pancréas. Une prostatite, ça va désigner une inflammation de la prostate, une péricardite, une inflammation du péricarde du cœur. Bon, bref, voilà. Donc, la gastrite, c'est une inflammation qui est surtout causée par l'Helicobacter pylori, mais moins quand même que pour un ulcère. Dans ce cas-là, bon, on l'éradique, hein, cette bactérie, encore une fois. Mais sinon, les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être aussi une cause de gastrite, hein, évidemment. Ça enflamme l'estomac, hein, d'accord. La plupart des gastrites sont bénignes en soi, ne sont pas très graves. D'ailleurs, ce n'est même pas la peine d'approfondir en faisant des examens. Mais c'est quand même préférable lorsque vous en avez une chronique, puisque avec le temps, ça peut former un cancer. Parce que on dit souvent qu'une gastrite fait le lit du cancer gastrique. Voilà, donc ça fait le lit du cancer. Donc c'est mieux de soigner la gastrite, de l'explorer, surtout de la soigner. Mais sinon, en première intention, on ne va pas penser à explorer l'estomac pour une gastrite. Hein. Mais à terme, c'est mieux. Voilà. Et puis, dernière maladie, bien sûr, c'est, vous savez très bien, le cancer gastrique qui est en diminution actuellement. Depuis une trentaine d'années, il diminue ce cancer, mais il reste encore très ravageur et mortel pour la plupart de ceux qui l'ont, malheureusement. Parce que la plupart, dans même pas les 80% des cas, bon un petit peu moins, mais allez, plus ou moins 80% des cas vont en mourir du cancer de l'estomac dans les 5 ans à venir. Donc ce cancer est quand même très mortel, parce que c'est vrai que la plupart du temps, il est asymptomatique, il est silencieux surtout. Vous n'allez pas vraiment avoir de signes qui font référence à un cancer au niveau de là. Et donc, il a le temps d'évoluer, en plus que l'estomac est quand même une région vaste, assez large, hein, donc si la tumeur est bien placée, elle a le temps d'évoluer longtemps, sans montrer aucun signe de sa présence. Donc à ce moment-là, elle a le temps d'aller se métastaser dans la larve,
faut savoir que la lymphe, ce sont des ganglions qu'on en a partout, surtout essentiellement dans le tube digestif, on en a partout sinon, hein, et qu'il y en a beaucoup, et donc ces ganglions servent, c'est le système lymphatique, hein, que vous devez connaître peut-être, qui est drainé donc en permanence, et pour lutter contre les infections du corps, avec les globules blancs ensuite, hein, qui vont se charger de lutter contre les infections. Malheureusement, il arrive que c'est tout cancer qui n'est pas soigné à temps, malheureusement, pénètre dans ces ganglions, dans ce réseau lymphatique, et ensuite va se métastaser ailleurs, dans un organe vital, par exemple le foie, surtout qui est très près, mais pas que, hein, il peut se former aussi, il peut aller dans les poumons, dans le cerveau, puis après, bon, bien sûr, il envahit tous les organes du corps. Il faut savoir que la distance d'un organe n'a rien à voir. J'ai déjà entendu un cas, par exemple, d'un cancer testiculaire, donc du testicule, il avait une tumeur là, elle a réussi à se métastaser jusqu'au cerveau. Vous imaginez la distance qu'il y a? Donc la distance n'a pratiquement rien à voir, hein. Même si la plupart du temps, les premiers organes qui vont être touchés, ça va être les organes environnants, hein, voilà. Et il faut savoir que comme l'estomac, lui, a des organes, a des voisins, a beaucoup de voisins, hein, malheureusement, les organes sont facilement atteints et assez rapidement. Bon, sinon, en termes de symptômes, sont vraiment typiques d'une douleur normale, on pourrait qualifier donc des nausées, des brûlures, une sensation de plénitude, c'est-à-dire que vous allez être rassasié la plupart du temps lorsque vous allez manger un repas, mais tout cela ne sont pas la plupart du temps révélateurs d'un cancer gastrique. Hein. Malheureusement, voilà, les symptômes sont vraiment pas très révélateurs. Sinon, vous pouvez aussi avoir du sang dans les selles. Alors à ce moment-là, le sang ne sera pas rouge, il sera noir. Ce sera un sang nauséabondeux, c'est-à-dire qu'il sentira surtout beaucoup. À ce moment-là, le sang aura tout le temps d'être digéré par les intestins. Donc, hein. Le sang, ça a même un nom, c'est la mélina. Maélina, un truc comme ça veut dire que c'est du sang d'une partie. C'est du sang noir dans les selles, tout simplement, qui font d'origine penser à du sang dans l'intestin grêle et surtout de l'estomac. Vous pouvez aussi avoir des vomissements gastriques. Donc des vomissements de l'estomac. Mais c'est vraiment rare des vomissements d'un cancer gastrique. Hein, c'est vraiment rare. Voilà. Et puis la plupart des cancers font des hémorragies surtout. C'est ça, l'une des pires conséquences malheureusement, ce sont les hémorragies qui sont parfois très sévères. Et voilà. Donc en termes de facteurs de risque. Ils sont assez flous pour le cancer de l'estomac. Il faut savoir que, comme tout cancer gastrique, c'est essentiellement lié à la digestion, mais pas que. Hein. Enfin, pas que. Il y a beaucoup le mode de vie qui fait beaucoup pour les cancers digestifs. Hein. Le tabac, l'alcool en premier lieu, puis ensuite l'alimentation, hein. La consommation accrue de sel, trop de nitrite de sodium dans les aliments que vous ingérez, donc vous allez avoir favorisé un cancer en gastrique. Trop d'aliments fumés, salés, tout ça donc. Hein. Et il faut savoir que le cancer d'estomac se fait rare en France quand même. Attention, rare, je dis qu'il y a encore quand même malheureusement beaucoup de cas de cancer gastrique. Je crois qu'il y en a entre 6 000 et 9 000 par an. On tourne autour des 7 000 à peu près, il me semble. La plupart du temps, ils sont malheureusement mortels. Ah, tout cancer est mortel de toute façon, hein, mais ils ne sont pas. Enfin, ils font des ravages, hein, ils tuent. On n'en guérit que dans 25% des cas le cancer de l'estomac. D'ailleurs, en parlant de guérison, je n'aime pas trop parler de guérison pour un cancer. Mais bon, on dit souvent ça, donc après 5 ans, vous êtes soigné. Ah oui, pour revenir à l'alimentation, les cancers de l'estomac donc sont en diminution dans notre pays, mais ils sont en augmentation, je pense, au niveau des pays asiatiques. Parce que là-bas, on consomme beaucoup d'aliments fumés, salés, et donc une plus grande présence de cancer gastrique. Au Japon surtout, on en repère beaucoup. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un dépistage pour dépister le cancer de l'estomac. À l'inverse d'ici, comme il y a moins de cas comme le cancer colique, comme colorectal, donc il n'y a pas de test de dépistage pour le cancer de l'estomac ici en France, malheureusement. Voilà. En termes de facteurs de risque, après, bon, ils sont flous, hein, c'est essentiellement tout ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on vous fait quand le diagnostic, enfin pour confirmer le diagnostic d'un cancer, déjà on va l'explorer, on va le confirmer donc avec une biopsie. La biopsie, c'est vraiment la seule chose qui va pouvoir confirmer le cancer, puisqu'ils vont analyser les cellules et on va voir si elles ne sont pas cancéreuses ou
aussi. Quand elles sont cancéreuses, le diagnostic d'un cancer de l'estomac ou autre les concerne malheureusement. À ce moment-là, on peut opérer d'emblée pour un cancer de l'estomac, mais pas toujours. Lorsque la tumeur est assez volumineuse, trop grosse, eh bien, pour la réduire, on fait de la chimiothérapie pour la réduire. Comme ça, dès que la tumeur est plutôt mieux opérable, voilà, c'est pas vraiment le terme, là, eh bien, on procède à la chirurgie qui consiste donc à enlever tout l'estomac ou une partie. Et on peut enlever les 4/5 de l'estomac. Donc, il vous reste même pas une très toute petite partie de l'estomac restante. Mais quand vous n'avez plus l'estomac, c'est possible. Hein, malheureusement, ça se voit encore. Mais vous vivez plutôt bien. Au début, c'est vrai que c'est très dur, surtout psychologiquement. L'alimentation, il faut faire vraiment attention. Il faut manger moins dans le repas, mais plus souvent en plus petite quantité. Voilà, c'est normal. Il faut bien mâcher surtout, parce qu'il n'y a plus tout ça. L'œsophage est directement relié à l'intestin grêle surtout. Il faut aussi faire des injections de vitamine B12 tous les 6 mois, il me semble, parce que c'est une vitamine qui est synthétisée au niveau de l'œuf, au niveau de l'estomac. Donc, hein. Et quand vous n'avez plus cet organe, il faudra donc faire des injections de cette vitamine qui est indispensable pour le corps humain. Je crois que c'est pour les globules rouges, tout cela. Mais je sais que l'on peut vivre sans estomac et que les gens y arrivent. Parce que comme il n'est pas vital pour le corps, on peut aussi enlever la rate quelquefois, comme elle est très près, tout cela, on peut l'enlever. Donc c'est une chirurgie qui est quand même lourde, hein, en quelque sorte. Et puis après, il faut raccorder l'intestin grêle avec l'œsophage. Donc c'est quand même une intervention lourde. Sinon, le cancer gastrique se repère plus chez l'homme que chez la femme. Il est vrai que ça a déjà été dit maintes fois là-dessus. Voilà. Bon, voilà, j'ai vraiment pas d'autre chose à dire. J'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère néanmoins que vous l'aurez bien apprécié. Encore une fois, désolé s'il y aura des choses qui seraient fausses. En tout cas, j'ai fait vraiment gaffe à la plupart des choses que j'ai dites. Donc ne vous inquiétez pas. La plupart des choses sont vraiment vraies. Et bien sûr, si ça serait faux, que vous avez reconnu une erreur, vous me dites ça en commentaire. Surtout les commentaires commentés, c'est très important. Et si vous avez vraiment eu le courage de regarder toute cette vidéo jusqu'ici, ça mérite vraiment un mini rikiki commentaire. Et moi, je vous dis un très très gros merci, parce qu'il faut quand même avoir du courage d'avoir tout regardé. J'espère quand même que vous vous êtes préoccupé pendant ce laps de temps. Allez, salut à toutes et à tous, portez-vous bien, bye bye les amis. On se retrouve pour les prochaines vidéos sur d'autres organes. J'espère que ça vous a plu en tout cas.